Donc, ça fait que dans sa tête, vous savez, à un moment donné, on a les réflexions humaines, les réflexions charnelles, et on croit que c'est spirituel. On croit que c'est spirituel sur la base de ce que on fait n'a rien de mal. Bien aimé, on n'est pas là pour ce qui n'a, que ça n'a rien de mal. On est là sur ce que Dieu dit. Ce que Hazard a fait, honnêtement, ça n'avait rien de mal du point de vue humain. Mais comme ce n'était pas Dieu, ce n'était pas sur Dieu qu'il s'était appuyé, c'est pour ça que ça devient mal. Bien aimé, il y a des toutes petites choses, je dis bien des toutes petites choses. Mais puisque ce n'est pas appuyé sur Dieu, ça devient un problème. Alors, il va me dire, ce que je te reproche, c'est ce radicalisme que tu lui as donné. Moi, je n'ai pas de problème à t'accepter. Tout ce que tu dis est vrai, pourvu que tu m'acceptes aussi. Donc, si tu es prêt, que moi aussi je peux aider les gens à recevoir Jésus. Et toi aussi, tu prêches, on peut aller ensemble. Mais si on peut, si ça, c'est pas possible, sache que c'est la dernière fois qu'on se revoit. Bon, lui, il croyait que quand il disait c'est la dernière fois, il pensait que je m'attendais à mieux que ça. Bon, et je lui ai dit que bon, moi, j'accepte comme tu fais, comme tu acceptes aussi que je fais. Mais ce qui était sûr, c'était la paix des braves. C'était mon départ. Nous deux, on savait qu'on ne pouvait plus jamais se voir. Parce que désormais, nous avons deux orientations différentes. Mais avant le salut, il était devenu presque mon leader. C'était mon leader. Il a dormi à la maison chez moi. Je dormais chez lui, j'envoyais des gens chez lui. Donc, je voyageais pour l'île Maurice régulièrement et on envisageait voyager partout. Alors là maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que à un âge, il est important qu'on cesse de clocher. Lisons ensemble ce verset. 1 Rois, chapitre 18, verset 24. 1, 2 et 3. Alors il s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est vrai, allez après lui. Le peuple lui répondit. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que personne sauvée, nous avons besoin d'être des personnes radicales. Quand je dis radical, c'est par rapport à ce en quoi on croit. Tu ne peux pas continuer de clocher des deux côtés. À un moment donné, tu as un pied là, de l'autre côté là, tu fais tout ça en même temps. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Donc tes positions doivent être claires. Ce en quoi tu crois doit être clair. Voici ma position. C'est ça. Donc quand mon nom, lui, les salut là, on sait ce en quoi je crois. Même quand je vais au milieu des pasteurs, ils savent ce en quoi je crois. Un pasteur m'a insulté pas plus tard qu'il y a cela deux semaines. Il parlait à des brebis qui sont allés lui rendre visite. Je ne sais pas s'il me connaît, mais il leur a expliqué. Ce gars, il est d'un orgueil à même pour te parler. Mais si tu le vois en route, tant qu'il ne prêche pas, tu crois qu'il est faible. Tu crois qu'il est mou, il est gentil. Mais si tu ouvres, c'est-à-dire dès que tu commences à parler de Dieu, lis ici. Il n'est pas seul. Donc tous les gens qui vont chez lui, ils deviennent pareils. Donc pourquoi il nous considère orgueilleux? Parce qu'on lui dit, lis ici. Il dit que eux tous sont pareils. Les versets sont partout. Il dit que j'ai jamais vu une espèce déjà pareille. Oui, nous sommes une espèce. Espèce.
important qu'on nous identifie. Et que nos positions soient connues clairement. Amen. Donc il a dit qu'ils sont une espèce. Il dit que le problème, c'est que moi, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est mieux de ne pas l'écouter. Parce que si Boba pouvait s'asseoir, et comme soldat, moi je suis un pasteur qui va enrichir les gens, enfin, je suis là pour la prospérité. Donc Boba est là pour le salut. Donc si je trouve quelqu'un et qu'il veut le salut, je l'envoie là-bas. Si quelqu'un veut devenir prospère, pour passer à voir ici. Mais là où il est là, il ne veut rien. Donc dès que tu le vois, il tue tout le monde. C'est pas lui qui est. Donc, si c'est pour ça que nous sommes engueulés, nous allons seulement rester en Dieu. Amen. Amen. Mais c'est aussi ça. Il est bon que, quand ce n'est pas des écritures, qu'on reconnaisse ton humilité. Tu es tranquille. Mais quand il faut commencer à parler, qu'on trouve que tu es intransigeant. Tu as une position claire. Amen. Je disais à quelqu'un, il a testé hier, je lui ai dit que mon frère, il ne faut pas déranger les gens. Tu ne veux pas être chaque jour que tu te plains de ce que les gens t'ont fait beaucoup de propositions. Tu as refusé et tu es en train de souffrir dans la maison de Dieu. Je l'ai dit. Là où c'est là, tu as besoin de choisir. Si tu veux choisir, si Dieu ne t'intéresse pas, va entrer dans les sectes. Ne fais pas à moitié. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que les gens qui vont pleurer en enfer là, ce sont les gens qui sont ici. Puisque il ne profite rien d'ici et il ne profite rien du monde. Donc si vraiment cette affaire ce n'est pas pour toi, ça ne te sert à rien du tout, va entrer dans les sectes, va jusqu'au fond. C'était hier que j'en parlais. Tu dis que ben, ne dérange pas les gens. Oh vraiment, je suis passé quelque part, on m'a proposé ceci, j'ai laissé, on m'a proposé encore ça, j'ai laissé, j'ai dit qu'on est fatigué de ça. Ici là, là où on est là, on n'a rien à proposer. On n'a rien à proposer. Et là où nous sommes là, dans cette affaire, on va souffrir là où tu nous vois. Donc Dieu ne nous a pas promis, il va nous donner quelque chose. Là où nous sommes là, nous sommes là. Mais seulement, nous avons fait, nous comprenons que souffrir en Christ, ça vaut mieux que avoir toutes les choses dehors. Donc si toi tu es là pour te plaindre, sors, va prendre ce qui te propose. Et je lui ai dit que va, tu vois, entre dedans jusqu'au bout. Et de Dieu, tu ne peux pas être, tu pleures ici là, on va te donner quoi. Donc bien aimé dans le Seigneur, il est important de cesser de clocher. Amen. Et nous avons besoin d'avoir un langage franc au milieu de nous. Si ça ne va pas, au lieu de rester ici murmurer, pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc si ça ne va pas, au lieu de rester là, tu ne te plains du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Si tu es capable de partir, ça veut dire que tu n'as pas été planté. Donc il n'y a pas le verbe se déplanter au lieu de laisser le déplanter. Parce que c'est écrit clairement que si ceux qui sont partis du milieu de nous, c'est qu'ils n'étaient pas de nous. Bon, maintenant le véritable problème c'est de faire comme si tu es avec nous. Et après ça, tu n'es pas là. Et après ça, tu es encore là. Et après ça, tu n'es pas là. Tu déranges les gens pour moi. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir un langage franc. Pas seulement au niveau d'ici, mais entre nous. Quand quelqu'un commence, tu lui dis que mon frère, là où c'est là, Dieu ne nous a rien promis. Si ce n'est Philippiens chapitre 1, verset 29. Vous avez reçu la grâce de croire et de souffrir aussi pour lui. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça notre lot. Bon. Nous en sommes conscients. Pourquoi nous on a dit, nous qui avons été plantés, c'est parce que notre espérance n'est pas dans ce monde. Elle est dans l'au-delà. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a pas été planté, lui, il espère dans les choses de ce monde.
et il commence à déranger. Donc là, tu commences à déranger, tu lui dis que mon frère, si c'est comme ça que tu penses, il y a rien ici. Et mieux tu pars, là où tu penses que ça peut être bien, puisque tu ne profiteras rien ici. Il y a rien à profiter ici. Donc, à la fin, il nous a dit, il veut l'argent, je l'ai dit, c'est le bon, c'est pas le bon endroit. Celui qui nous a enrôlé, il ne nous a pas parlé de ça. Il nous a seulement promis la vie éternelle, c'est tout. Est-ce qu'on peut résoudre? Alors, même si tu oublies tout ce que j'ai dit, garde ça. Donc, quand tu arrives, il faut que juste à temps, clochereux pour que tu aies. C'est jusqu'à quand? On relit tous ensemble. 1 roi 18, verset 21. 1, 2 et 3. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous mes dévotés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est pas, allez après lui. Le peuple de lui répondit bien. Est-ce que ce n'est pas Élie? C'est Élie qui parle, non? Oui, oui. Donc est-ce que lui-même ne voulait pas que plusieurs personnes suivent Dieu? C'était son choix que tout le monde suive Dieu. Mais il faut qu'on soit aussi prêt à parler à quelqu'un. Va suivre Satan si tu veux. N'embête pas les gens, ne fais pas comme si tu es le premier. Parce que, à un moment donné, à force de vouloir cajoler n'importe, ça devient très embêtant et très ennuyeux. Oui, on a compris. Bon, tu as trouvé que ça ne va pas, n'est-ce pas? Comme ça ne va pas, et que tu. Que c'est quelque chose que. Parce qu'il te dit que je n'accepte pas. Demain, tu le revois. Il te dit que je suis là, je n'accepte pas. Il est encore là. Il ne fait que murmurer et tout. Il est parti. C'est biblique qu'il s'en aille. L'église. Nous en parlons. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église est dans le plan de Dieu depuis l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous avons l'Assemblée du désert. Donc, l'église n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Et comme nous le disons toujours, Luc chapitre 9, verset 58, nous allons arrêter. Nous allons arrêter à 19h exactement. Donc, allons-y, 1, 2 et 3. Jésus lui répondit, les grands ont les carrières. Et les oiseaux du ciel ont les nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il fait son pouvoir s'arrête. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait avoir un lieu où reposer sa tête. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'avait pas un endroit où il pouvait reposer sa tête. C'est pour ça donc qu'il a décidé donc de rendre manifeste ce qu'il avait déjà eu dans l'Ancien Testament. Matthieu 16, verset 18, que nous lisons ensemble, 1, 2 et 3. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne voudront pas les contraires. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, et moi je bâtirai, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Est-ce que tu peux dire avec moi que l'église a un propriétaire? L'église a un propriétaire. Donc le propriétaire c'est le Seigneur. Et le Seigneur qui est propriétaire de l'église est vivant. Ce n'est pas un propriétaire qui a fait l'église, il est mort et il est parti. Non, il fait l'église, il n'a pas donné à quelqu'un d'arrêter. Il n'a pas laissé ça pour que quelqu'un gère en son absence et lui rende compte. Non. Il bâtit son église et il reste dans son église. Ça, il faudrait bien que ce soit intégré dans notre tête. Donc le Seigneur bâtit son église et il reste dans son église. C'est son église. Dis avec moi, c'est son église. C'est son église. Donc vous pensez que le Seigneur peut jouer avec son église? Nous avons vu tout à l'heure. Quel est le cheminement que Dieu prend pour sauver une personne? Regardez tout l'investissement depuis le début. Tout ce qu'il fait, c'est lui qui fait tout. J'ai aimé cet exemple du pasteur Chinière. Quand tu peux acheter une montre, est-ce que le propriétaire paye une partie? Toi aussi tu payes une partie. Non. C'est celui qui achète qui paye tout. Et c'est Dieu qui nous a rachetés. Jésus nous a rachetés, ça veut dire qu'il a tout payé.
Or, c'est différent de l'enseignement pentecôtiste qui dit que Dieu fait 99%, il laisse 1% que toi-même tu dois faire. Et tu dois faire le 1% là à 100%. Le 1% devient 100%. Hein? Ça, ce sont des enseignements. Ça sonne bien à l'oreille, mais au fond, c'est faux. C'est faux. Très faux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il nous a rachetés et nous lui appartenons. Nous lui appartenons entièrement. Alors, Jean chapitre 10, verset 16, on lit encore 1, 2, 3. J'ai encore d'autres béni qui ne sont pas les saints d'Algérie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et nous leur annoncerons de nouveau, elles seront bergers. Donc, le Seigneur dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il a, en fait, en tant que souverain berger, il est le seul. Donc, tout le reste, nous sommes le troupeau. Nous sommes des brebis. Même les pasteurs qui sont à l'intérieur sont les brebis du Seigneur. Amen. Donc, nous tous, nous sommes les brebis du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Alors, il y a différence entre nous en ce qui concerne les responsabilités. Nous avons des responsabilités différentes. Par exemple, président Afrique n'est pas un titre. Président Afrique est une charge. C'est différent? Parce que ce n'est pas un titre, mais c'est une charge. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, c'est le frère Boba qui a la charge de présider l'œuvre de Dieu en moi. Je préside sur le travail que je fais. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des charges, mais nous sommes tous les brebis du Seigneur. Nous avons le même berger. L'assemblée du désert, nous avons sur le matin, est faite pour l'habitation de Dieu, autant que l'Église. Exode chapitre 29, verset 45 et verset 46. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3. J'habillerai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc, il les a fait sortir pour habiter au milieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il habite au milieu. Il habite au milieu. Alors, le véritable problème, c'est, es-tu conscient de ça ou non? Est-ce qu'on peut lire ensemble Lévitique chapitre 26, verset 12? 1, 2, 3. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous savez, c'est difficile. Ce sont des petits versets, mais c'est difficile spirituellement qu'on les saisit. Hein? Mais à plusieurs, ça dit que généralement, on les oublie. Et très rapidement, pourquoi? C'est qu'on voit prendre le dessus sur ce en quoi on croit. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je vais vous dire par la suite. Parce que même la possibilité de commencer à servir des idoles devient très facile. Pourquoi? Quand le Seigneur dit qu'ils ont les idoles dans leur cœur. L'idole, c'est quoi? Ce n'est pas que l'idole a un pouvoir. Non. Même quand vous lisez 1 Corinthiens 8, verset 1 Corinthiens 8, verset 5, il y a plusieurs dieux, c'est ça? 8, verset 5. Donc quand on dit qu'il y a 1 Corinthiens 8, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En fait, la traduction du verset ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux en réalité. Ça veut dire que plusieurs personnes se font plusieurs dieux. Ils se font des dieux au ciel et ils se font des dieux sur la terre. Bon, ça, c'est ce que nous devons comprendre parce que nous sommes déjà sauvés. Bon, pour le nom sauvé, tu me flanques ça à la face parce que lui, il les a. Puisque lui, il est encore dans la position où il les a. Ça veut dire qu'il croit à des dieux. Bon, nous, on ne croit pas à des dieux, on sait qu'il n'y a rien là-dedans. C'est pour ça que là où nous sommes, on sait que tous les autres, puisque si aujourd'hui un sorcier s'élève, par exemple, il te montre une croix, qui va te taper ça sur la tête, ça te fait quoi? Amen. Toi-même, tu disais qu'il n'y a rien là-dedans. Toi, tu disais que ça, c'est le bâton et tout et tout. Mais ce n'est pas comme ça que l'homme qui est dehors croit. Donc, en fait, c'est que toutes ces idoles ne sont rien.
Mais c'est l'homme qui donne le pouvoir à cet homme. Je prends un exemple. Quand quelqu'un prend une, il fait une photo, un truc et il met au mur. C'est qu'il a mis au mur. Vous et moi, vous savez qu'il n'y a rien. C'est du papier. Bon, mais quand lui, il vient, il allume la bougie et il se prosterne. Lui, il donne un pouvoir à cette affaire et le pouvoir que ça n'a pas. Alors, là maintenant, Dieu dit donc que l'idole n'est plus sur le mur, mais l'idole est désormais dans le cœur. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il suffit que le Dieu que tu as dans le cœur, tu commences à lui donner les attributs qu'il n'a pas. Je ne sais pas si on se comprend. Tu lui donnes les attributs qui ne correspondent pas à lui. Donc si tu lui donnes les attributs qui ne correspondent pas à lui, automatiquement, ce n'est pas de lui que tu parles. Donc c'est, si c'est ça, si ton Dieu est comme ça, par exemple, vraiment, je voudrais une réunion, je voudrais bénir le Seigneur parce que notre Dieu, c'est notre Dieu vraiment fidèle et il est prêt, il accepte vraiment les enfants au ciel parce qu'ils n'ont rien fait. Donc, quand moi je dis ça, notre Dieu, et toi-même tu dis non, Dieu que nous on connaît là, c'est pas comme ça. Donc, il me dit, hein? En fait, on tue. Entre les deux, il y a quelqu'un qui est faux. Oui. Hein? Donc, c'est pour ça donc, que dans l'église, on est capable. Quand Dieu dit, quand vous entendez dire qu'il a commencé par l'esprit et finit par la chair, c'est que vers la fin, il croit toujours en Dieu. Mais le Dieu dont on parle, il commence à lui attribuer, à lui donner des attributs qui ne sont plus ceux de départ. Amen. Ça, c'est très important et on va voir ça demain. Donc, la Bible nous dit donc que notre Dieu marche au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 6, 15 à 16. 1, 2 et 3. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Myriam? Ou quel parle la prière avec un fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les hommes? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. Bon, maintenant, est-ce que le Seigneur est ici? Oui. Hein? Oui. Donc, nous tous on dit qu'il est là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est dans la tête? Parce que là où tu es là, à côté de toi, si à côté de toi c'est le Seigneur qui est assis, allez que tu le vois avec, est-ce que tu es sûr que tu peux allumer ton téléphone même si on t'envoie un message? Oh, oui. Hein? Même parler, tu ne parles pas. Non. Bon alors, pourquoi donc on parle? Pourquoi donc tu peux faire n'importe quoi? C'est parce que... Il est là, bon, mais il n'est pas trop là. De temps en temps, on oublie là. Bon, on se réveille. Donc, de temps en temps, de temps en temps, tu oublies qu'il est là. Donc, on peut... Merci. À un moment donné, ça devient vraiment comme lui-même dit, c'est la familiarité. Quand tu te dis, est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il nous voit réellement? Bon, peut-être s'il est là, certainement en ce moment il doit être derrière. Ça, c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Mais, alors, qu'est-ce qui va donc faire la différence entre nous? Qu'est-ce qui va faire la différence entre nous dans l'église? C'est qu'il y a donc des gens qui vont croître spirituellement. La croissance spirituellement. Celui qui grandit, c'est qui? C'est celui qui est davantage conscient de la présence du Seigneur. C'est ça grandit. Soit il devient de plus en plus conscient. Et plus il est conscient, sa manière d'agir change. Tu vas voir, il va arriver, il sera tellement tranquille. Tu le tapotes à l'épaule, il est tranquille. Et puis directement, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc directement, on va lui demander, tu veux montrer quoi? C'est quelle spiritualité ça, mon frère? Sois un peu détendu, sois relax. Vraiment. Hein?
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc ça, c'est ce que nous, c'est donc ce que nous avons besoin d'être conscients. Que le Seigneur est là. Bon, et à un moment donné, les gens peuvent devenir totalement, ils oublient complètement que le Seigneur est là. Il dit bien complètement. C'est-à-dire, il ne se souvient plus que le Seigneur est là et que c'est son église. Et lui, il voit ça comme un regroupement des gens. Alors, il ne voit que les hommes. Il ne voit que les hommes. Et là, c'est la catastrophe. Exode chapitre 17, verset 7. 1, 2 et 3. Il donna à ce lieu le nom de Massa et il dit là, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, voici la terre dans l'éternel à Massa. L'éternel est-il au milieu de nous? Où il est-il sur part? Attends, ça s'est déjà passé. Et ça se passera toujours. L'éternel est-il au milieu de nous? Ça là, on ne peut pas dire ouvertement. Mais on dit par les actes qu'on pose, par la manière qu'on réfléchit. On sait que là où c'est là, l'éternel n'est pas là. Parce que ce qui est clair, là où nous tous ici, nous sommes, nous avons des moments de tension. C'est vrai ou faux? Pour les pétitions de la chorale, il y a une tension qui peut arriver. Bon, mais est-ce que vous pensez que si l'éternel est assis, les mêmes gens là peuvent déranger? Ils ne peuvent pas déranger. Donc pourquoi ils dérangent? C'est parce que c'est entre les deux. Que c'est entre nous. Quand deux frères se querellent, donc si un d'eux se rend compte que l'éternel est debout à côté, qui va parler encore? Donc il va dire, Seigneur, c'est ça que je disais. Mais c'est qu'ils sont conscients qu'il n'est pas là. Donc, notre croissance spirituelle, au-delà de toute chose, c'est quoi? C'est ceux qui deviennent de plus en plus conscients de l'éternel. On sait, je ne sais pas comment, je n'arrive pas à trouver le mot exact en français. En fait, on sait qu'il est là. Mais on n'a pas, c'est pas réel. Voilà, ça ne se vit pas. Et maintenant, un message comme celui-ci, c'est un message pour nous ramener. Parce que petit à petit, on va à la dérive. C'est-à-dire que doucement, doucement, on y va et ça risque complètement. Oui, nous sommes sauvés. Mais ça devient que dans notre vie pratique de tous les jours, le Seigneur est devenu loin. Si c'est loin, on sait. Et c'est à cause de ça donc on peut entrer dans des manipulations. Et l'église devient une affaire de camps et de clans. C'est-à-dire que les gens doivent se mettre en clan. Donc je travaille avec l'autre. Bon, tu vois, il y a tel là qui essaie de me faire ceci, soit là pour essayer de contrecarrer. Il y a tel qui fait ça. Donc, puisqu'ils savent que le Seigneur, ils disent que c'est l'église du Seigneur, le Seigneur est là, mais ils n'en sont plus. Je ne sais pas le mot. Ça faisait, c'est du... Bon, je ne sais pas si c'est conscient, si c'est ça qui marche. Donc, mais vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ce qu'on peut dire, mais. Donc, pour nous aujourd'hui, notre prière, c'est que le Seigneur devient, comment on appelle ça, est énervé quand on fait comme si lui n'était plus là. Et qu'on commence à agir comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas toi qui décides de sa présence. Quelqu'un dit amen. Parce que j'ai, bon, généralement, mais on prie. Moi-même, je prie comme ça. Seigneur, sois au contrôle. Dieu a entendu que c'est toi qui nous donne le contrôle. Attends. Josias, est-ce que c'est toi qui lui donne le contrôle? Non, bon, il est là assis. Seigneur, viens prendre le contrôle. C'est là qu'il est. Lui aussi, il s'élève. Il dit bon, moi, merci parce que vous avez pensé à moi. Hein? Donc, avant donc, qui contrôlait? Bon, je ne sais pas si on se rend compte. Il est contrôlé. Donc, il est toujours au contrôle. Celui qui n'en est pas conscient, c'est toi. Et tu souffres parce que tu n'en es pas conscient. C'est pour ça que tu souffres. Tu bavardes et tu te roules dans n'importe quoi parce que en fait tu n'es pas conscient. Tes yeux ne sont pas sur lui, tu ne sais pas qu'il est là. C'est quand tu as déjà fait gaffe à tout et tout et tout. On te dit, frère, c'est l'église du Seigneur. Non? Il dit, c'est même ça, c'est même ça. C'est même ça. Je bavarde même quoi, c'est l'église du Seigneur. Il passe. Non, mais tu devais savoir ça depuis.
Amen. Amen. Et si tu peux dire à ton voisin, le Seigneur est là. Le Seigneur. Que le Seigneur nous rende davantage conscients. Davantage conscients. Une fois que nous sommes conscients que le Seigneur est assis, même si c'est n'importe quelle activité de notre communauté, ça prend une autre tournure. Ça prend une autre solennité. Donc ce n'est pas des prières où on oublie qu'il était là. Vraiment, Seigneur, nous te recommandons tous ces moments. Nous te l'étonnons et tout. Bon, on va continuer à prier. Hein. C'est pas que j'ai dit, ne devez pas continuer à prier. On ne peut rien faire d'autre pour l'instant. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas toi le petit bonhomme dans sa chose qui lui donne l'ordre de venir. C'est pas toi. Hein? Ça ne peut pas être toi. Les affaires, bon, c'est aussi l'héritage qu'on a. Seigneur, viens. Viens prendre le contrôle. Nous te donnons toutes choses. Et nous. Non. En fait, nous devons en être conscients. Et dès que tu es conscient de tout ça, ton attitude et ta manière d'être change. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons de parler de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est le centre névralgique de la vie de l'Église. Donc, l'Église ne peut pas vivre sans sa parole. La place de la parole de Dieu dans la compréhension du leadership dans l'Église est assez capitale. Et si on veut lire ensemble le Proverbe 22, verset 19. 1, 2 et 3. Après que ta confiance se pose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Donc, pourquoi on veut t'instruire? On veut t'instruire parce que quand vous regardez, le problème se repose toujours ici, depuis là. Il veut quoi? Que ta confiance repose sur l'Éternel. Parce que, en fait, c'est le plus dur dans cette affaire. Et malheureusement, ça se complique plus on dure dans la maison. On devient désespéré et désexpérimenté. Et quand tu as affaire à quelqu'un qui est expérimenté, et on lit 20 et 21. 1, 2, 3. Donc, il nous enseigne des choses sûres. Proverbe 22. Jusqu'à 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Nous ne voyons pas Dieu, mais nous avons ses écrits avec nous. Et il a mis ça par écrit pour nous. Amen. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, nous pouvons avoir 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. On lit. Donc, la parole de Dieu, sans elle dans l'Église, ça devient un problème. Parce que c'est elle qui travaille dans l'Église. Ce n'est pas nous qui utilisons la parole, mais c'est la parole de Dieu qui nous utilise. Amen. Amen. C'est pour ça que, aujourd'hui dans l'Église, la parole de Dieu, pour nous qui sommes sauvés, la parole de Dieu s'accomplit. Pour les non-sauvés, ils voient la parole de Dieu et ils veulent l'accomplir. Ils lisent et ils partent chercher à l'accomplir. Donc c'est pour ça que vous allez entendre qu'ils lisent. Là, le Seigneur dit que soyons toujours joyeux. Frère, soyons joyeux, chantons avec vous. C'est pas faux. Ils veulent accomplir ce qu'ils sont vus. Bon, mais quand les sauvés sont là, comme nous avons vu les personnes être sauvées l'autre jour, une joie immense envahit nos cœurs. Et même si là où nous sommes, là où nous sommes, chacun a toujours cette joie dans son cœur, comme la sœur a chanté tout à l'heure, ce n'est pas que nous n'avons pas de problème. Nous avons de sérieux problèmes, mais il y a la joie qui est dans notre cœur. Cette joie du salut. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Je
J'ai mis l'exemple de chimère. Nous devons que la parole de Dieu, de Christ, habite parmi vous abondamment, de manière que quand on te pique, la parole qui sort. Non, moi, c'est qui sur Tchad, quand tu pisses la parole qui sort. Somme 51, verset 6. 1, 2, 3. Mais tu peux pas aller sans l'enfant de Dieu. Tu as compris la sagesse au monde. La vérité du Seigneur doit toujours être au fond de ton cœur. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, même Dieu même, Dieu est défini par sa parole. Comment lui-même il prend sa parole dans l'église. Donc la position de Dieu lui-même face à la parole est une position assez délicate parce qu'il a élevé sa parole aussi haut qu'il n'y a rien au-dessus de sa parole. Nombre chapitre 23, verset 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3. Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il a dit, nous ne le réalisons pas. Regardons bien ce verset. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il y a des gars qui pensent qu'un jour Dieu va leur demander pardon. Dieu ne peut pas. Attends, l'église c'est pour qui? Bon, même s'il fait une erreur là, c'est pour qui? Bon, il doit te demander pardon sur la barre. Toi, tu es même d'abord qui? Ça veut dire plus grand que la sagesse de l'homme. Donc, c'est son église. Il n'est pas capable de te demander pardon en quoi que ce soit. Il ne se repent jamais. Ça, c'est pour lui. Il fait de ça. En fait, c'est sa chose. Et toi-même, tu es sa chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit quoi? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est, en principe, c'est ne pas croire à Dieu. Que tu sois dans l'église et tu vois, tu dis que l'autre là me bloque. Il est en train de me bloquer pour que je ne passe pas. Tu passes toi, lui. Hein? Tu vas où? C'est sa place. Là où c'est là, c'est son église. Donc, lui il décide que tu vas passer et puis quelqu'un te bloque. Vous-même, vous vous rendez compte que c'est la même essence. Donc, Dieu veut faire quelque chose. Donc, Dieu veut faire quelque chose ici au Tchad par toi. Et Taradoum te bloque. Donc, c'est ce que Dieu voulait faire, mais Taradoum m'a bloqué. Donc, Dieu et toi, vous êtes allés vous asseoir quelque part pour réfléchir comment vous allez faire par rapport à Taradoum. Et pendant que tu parles à Taradoum, non, mais soyons sérieux. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il déclare, il fait. Amen. Si tu vois quelque chose, c'est qu'il a décidé de faire. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, ça te regarde. Amen. Ça là, il faut qu'on le comprenne et qu'on l'intègre. On n'est pas venu dans l'entreprise de quelqu'un. Mais n'avons-nous pas été plantés? Les gens que tu as trouvés ici, c'est toi qui les as amenés. Moi-même, les gens que moi je voulais qu'ils soient dans l'église, que moi je voulais, ils sont pas. J'ai tout prêché, ils ne sont pas venus. Avant d'être sauvé, moi j'avais des pasteurs. J'avais environ une trentaine. Je n'étais connecté avec rien et je leur payais des salaires. Donc à la fin, des soutiens, c'est ça notre droit. À la fin du mois, il part de toucher le salaire. J'achetais moto et voiture et terrain. Donc, c'est dire que quand je nais de nouveau, il y avait un qui était le plus pauvre parmi eux tous. Bon, je ne priais pas pour lui parce que je savais que là où je suis, il va me suivre. Il
pas besoin. Il me suivra. Il sera là. Ça sert à rien. Donc je pense au Seigneur, soutien. Quand je suis arrivé, quand Dieu prêche, c'est lui-même qui s'est levé. Comme tu viens de naître. Comme toi, tu viens de naître. Assois-toi. Tu t'assieds et je vais t'enseigner. Et il me dit là où je suis. Donc, et il me dit là où je suis. Je préfère mourir de faim. Donc c'est un peu pour vous montrer que dans cette affaire tu ne peux amener personne. Et que chaque personne que tu vois là, fais attention, c'est pas toi qui l'as amené. Tu n'as amené personne. Donc la personne que tu vois là, tu ne sais pas là où le propriétaire de la maison allait le chercher. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, c'est pour ça que quand nous regardons, nous devons faire très attention. Attendez, nous tous, on ne se connaissait pas forcément avant. Mais là où nous sommes là, nous sommes ensemble et ce sont les éléments que Dieu a amenés. Et chacun qui est arrivé là a son programme, tenu par le maître et il n'est pas obligé de te rendre compte. Donc, ce qu'il a décidé de faire avec chacun, il n'est pas obligé de te dire. C'est toi qui dois comprendre que c'est lui qui travaille. Bon, si tu ne veux pas comprendre, tu finiras par comprendre avec des écorchures partout, mais tu comprendras. Si tu es réellement sauvé, tu vas finir par comprendre. Mais tu vas comprendre avec beaucoup de blessures. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, ça sont des petites choses élémentaires. C'est l'église du Seigneur. Les gens, parce que même pour amener un membre de ta famille, mais ça c'est compliqué. C'est le plus difficile même. Bon, mais puisque tu dis alors que bon, toi tu dis alors que tu maîtrises, tu dis que c'est toi qui cherches. Amène donc les gens de ta famille, on voit. Compliqué. Va chercher ta neveu. Va chercher tes parents, tu ne les amènes. Comment nous pouvons prendre l'église comme si c'était une affaire humaine? Et tu es là, tu n'arrives pas à amener ton père, tu n'arrives pas à amener ta soeur, les autres même n'arrivent pas à amener leur femme. Et tu vois quelqu'un qui est là, qui est là, que Dieu a amené, et tu veux le torturer. Ah ouais. Jérémie chapitre 1 verset 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Pour l'exécuter, il exécute où? Sur la terre. Dans son église. Dans son église. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Somme 102, verset 27, est-ce qu'on peut lire ensemble? Donc il ne change pas. Comme il a fait hier, c'est comme ça qu'il fait aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il fera demain. Et il te le répète. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il est l'Éternel, il ne change pas. Donc c'est pas toi qui va venir le faire changer. Ça ce sont les histoires qu'on a héritées du parti. Quelqu'un te dit que quand tu fais comme ça, mon frère, même si Dieu avait déjà dit qu'il ne fera pas, il va faire. Vous savez que les démons pentecôtistes, là, on ne s'en sépare pas aussi facilement. À un moment donné, on croit qu'ils sont partis, mais après ça vient. Toi, mais tu sens que tu commences à réfléchir un genre. Ecclésiaste chapitre 5, chapitre 3, verset 15. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est a déjà été. Donc, quand tu vois l'église,
ne crois pas que c'est une nouvelle affaire, ça a déjà été. Amen. Si dans l'église actuelle, tu ne comprends pas quelque chose, va chercher dans l'église du désert. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si ce n'est pas expliqué dans l'église actuelle, rentre dans l'église du désert, tu auras certainement l'explication. Amen. Parce que l'assemblée du désert et l'église, c'est pratiquement la même chose. Il y a des choses qui ne se voient pas bien dans l'église actuelle, mais que tu peux retrouver ça dans l'assemblée du désert. Parce que ce qui est maintenant, ce n'est pas nouveau, ça a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène toujours ce qui est passé. Il ne change pas. Donc, il tourne, il les ramène. Donc, c'est donc ce qui devait nous rendre plus confiants. Confiants pourquoi? Tu devais savoir qu'il n'y a pas une seule chose qui peut arriver dans l'église aujourd'hui qui n'a jamais été avant. Donc ne prends pas ça comme si c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui arrive aujourd'hui dans l'église, c'est que toi, tu n'as pas encore vu le verset. Mais ça a toujours été là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Romains chapitre 11, verset 35. C'est un verset assez important. C'est contraire à ce qu'on a vu d'abord le matin. Est-ce qu'on peut lire? Qui lui a donné le bien-être pour qu'il ait un soir en l'église. Non, relisons d'abord. Qui on relit ensemble 1, 2, 3. Qui lui a donné le bien-être pour qu'il ait un soir en nous. Quand on vient d'être sauvé, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Tout ceci arrive, tu vois, quand on raconte aux gens qu'on grandit. C'est pendant qu'on grandit, donc quand on dit entre guillemets qu'on grandit, c'est là que les choses arrivent. Alors toi-même, tu restes comme ça là, et tu parles tout seul. Hein. Vraiment, je suis sorti pour faire le séminaire aujourd'hui. Vraiment, j'ai même rien laissé à la maison. Donc je crois que avec tout le séminaire que j'ai fait là, Dieu lui-même doit pouvoir. Dieu lui-même doit pouvoir parce que tu estimes que tu as tellement travaillé pour lui. Donc il faut que lui réponde. Il te doit quoi? Je le disais un jour, ce n'est pas parce que tu t'es levé et tu t'es sacrifié pour aller faire les répétitions de la chorale et que les répétitions de la chorale pendant la préparation de la commission sont finies à 22h que tu es sûr que quand tu vas rentrer dans l'obscurité, on ne doit pas t'agresser. Donc, tu sors là, quand on te demande comment tu rentres, oui. Comment? Non, Dieu ne peut pas permettre que quelque chose me fasse. Je sors quand même des répétitions. Non! Alors, tu sors du séminaire, tu fais l'accident. Donc, ce n'est pas parce que tu es sorti du séminaire que tu dois croire que Dieu a le droit de te protéger. Donc, il te doit ça. Et les gens fonctionnent comme ça. Même s'il ne dit pas, puisque quand même, on ne dit pas parce qu'on a peur qu'on découvre que tu as une béquille. Donc, on parle, mais dans le fonctionnement, c'est ça. Donc, comme j'ai investi beaucoup pour la convention, et que vraiment, entre temps, j'ai fait moi-même ça m'arrive. Donc là où je suis, j'ai fermé mon bureau et je suis ici. Donc de temps en temps, je reste. Toi-même, tu sais que je suis ici pour ton œuvre. Dis à ton voisin, Dieu ne te doit rien. Donc, il ne te doit rien. Ça, là, si tu n'intègres pas ça, je dis que tu auras des souffrances. Tu vas souffrir dans l'affaire de Dieu. Tu vas souffrir ici, là, fatigué. Tu vas souffrir. Un jour, ça, je suis encore païen. Et je n'avais pas de réponse, mais c'est quand je suis sauvé que je comprends. Une dame est venue me voir. Parce que le pasteur a prêché que, en fait, d'abord c'est bon, hein, si tu te gardes vierge pour le mariage, tu auras un très bon mariage.
Vraiment, si tu t'es gardé vierge, tu auras un bon mariage. Bon. Alors, la dame s'est gardée vierge et elle a épousé un pasteur. Donc, 2 ans après le mariage, le pasteur est devenu marabout. Donc là, c'est devenu un véritable mauvais malheur. Et elles sont venues me voir. Elle me dit que vraiment, c'est moi, je ne sais pas, parce que les filles là-bas sont là-bas, elles ont fait 15 avortements. Elles sont dans des bons mariages. Et moi, je suis là, je me suis gardé. Je regarde ce que Dieu m'a dit. Donc, tous les sacrifices que j'ai fait là, c'est pourquoi. Le sacrifice, qu'est-ce que Dieu fout avec ta vigile? Dieu dit que si tu ne pêches, hein, si tu pêches, qu'est-ce que ça lui apporte? Si tu ne pêches même pas, ça lui apporte quoi? Ça là, c'est bon pour toi. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me trouver le verset? Donc, Job 35, verset 5 à 7, si quelqu'un a trouvé pour nous. Vous savez, c'est bon, ce sont des choses qui nous échappent. Et après ça, ça nous embête. Oui. Considère les cieux et regarde. Oui. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Non, Alexandre, là. Donc quand tu pêches, tu lui fais quel tort? Dieu te dit que ça me concerne en quoi? Ça me fait quoi? Continue. Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Que lui fais-tu? Si tu es juste. Bon, maintenant, si tu es juste, tu as dit ton quoi? Ah, il est gueulard, hein? Continue! Que reçoit-il de ta main? Attendez, suivez. Continue. Que reçoit-il de ta main? Eh bien, reprends si tu es juste. Si tu es juste. Oui. Que lui donnes-tu? Ouais. Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Non, ta méchanceté, ça vient au frère qui est là à côté. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Non, ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Vous savez, dans cette affaire-ci qui est l'église, c'est la négligence de cette culture-là. C'est pour ça que parfois tu restes comme ça. Ta joie commence à avoir des problèmes. Ta joie a des problèmes. Tu estimes que tu as trop de soucis. Et c'est seulement que tu n'as pas envie de lui parler en face. Mais tu lui envoies les mots dans le cœur. Hein? C'est même quoi ça? C'est déjà quoi ça? Bon, mais maintenant, qui va payer le pot cassé? C'est dans l'église. D'ailleurs, là où je suis là, même les répétitions, là, il n'y a pas plus. Comme c'est comme ça, même je sors de la chorale. Dieu ne m'a dit que ça n'y fait pas. Ce sont les frères avec qui tu étais que ça va nuire, mais lui, ça lui fait rien. Hein? Donc, si tu es juste, ça lui apporte quoi? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans cette affaire. Bon, je voulais dire qu'il nous aide à retourner au Seigneur. Mais c'est un peu ça que je veux dire. Mais je crois que vous me comprenez. Mais c'est de ça que je voudrais parler. Qu'il nous aide. Parce que, en fait, plus on parle, tu comprends que tu es là quand même loin. Hein, tu étais là, mais tu t'es quand même éloigné. Donc, c'est pour ça que Apocalypse peut donc dire, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, quand, là où nous sommes là, il est en train de se tenir à la porte pour frapper. Il frappe pour les sauver, afin que les sauvés reviennent. Et il frappe pour les non-sauvés, afin qu'ils écoutent la parole de Dieu pour leur salut. Parce que Laodicée était une église où les non-sauvés étaient déjà plus nombreux que les sauvés. Donc, ils avaient plus le contrôle et ils étaient aux manettes. Donc, les sauvés même ne comprenaient plus leur tête dans cette affaire. Ils ont commencé eux-mêmes à dire que c'est vrai, que c'est ce que les non-sauvés là disent. C'est ça qui est vrai. Donc, donc, c'est risquant parce que je
dit là aussi, c'est un fiscal. Quand les non-sauvés deviennent beaucoup dans l'église, c'est pour ça que pour rien au monde, même si on fait les séminaires dehors, on doit toujours faire à l'église. Coordonnateur, ça ne doit pas marquer. Séminaire de disciples, ça ne doit pas marquer. Ne dis pas que c'est bon, toujours, fait toujours. Si tu laisses et les non-croyants deviennent nombreux, nous sommes morts. Ça c'est clair. Pourquoi? Dès qu'ils deviennent nombreux, ce sont eux qui commencent à prendre les postes de responsabilité. Alors dès qu'ils ont les postes de responsabilité, c'est eux qui décident. Et dès qu'ils décident, vous faites comment? Même si tu es sauvé, tu as dit quoi? Donc, ils te disent, vous dites que non, on doit évangéliser. Ils te disent qu'il y a eu deuil. Non, il nous faut faire un séminaire. Non, 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 là, c'est pas possible parce qu'il y a un mariage. Alors, ça fait en sorte que, à la fin de l'année, quand on va voir le budget de l'église, on regarde, pour l'évangélisation, on a dépensé 100 000. Pour les mariages, les décès et tout, nous sommes à 900 000. Est-ce que l'église est en train de faire sa mission? Non. Elle a déjà complètement arrêté. Très facile, ce sont des choses qu'on vérifie. C'est pour ça que les comptables sont dans l'église pour dire au pasteur que on est déjà en train de prendre le virage. Là où tu vas. On est en train de prendre. Parce qu'on prend, le virage à partir des finances de l'église. C'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle le comptable, parce qu'il est le conseiller financier du pasteur. Pour lui dire que, pasteur, dans l'assemblée, sur les 100 000 qui sont entrés là, et tu sais que 80 000 sont partis sur n'importe quoi. Et si la comptable, le comptable même n'est pas sauvé alors? Non, c'est pour ça. Non, non. On suppose maintenant qu'il est sauvé pour l'instant. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'il ne faut pas que les non-sauvés soient nombreux. Puisque les non-sauvés ont d'autres priorités. Leur priorité n'est pas le salut des âmes. Attendez, est-ce qu'ils vont laisser que vous devenez nombreux? Non, ils doivent laisser que eux soient nombreux. Il y a une convention comme celle-ci. À cause de cette convention, il y a des gens qui vont venir ici, dans cette église, sans être sauvés. Juste à cause de tout le bruit qu'il y a. Ils vont arriver. Bon, maintenant, parmi eux, il y aura des gens avec des grandes responsabilités. Si maintenant, on veut jouer les païens, tu commences à prendre ces gens pour les copter et tu oublies qu'ils doivent écouter le Seigneur jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Donc, tu ne vas pas, on ne peut pas donner un poste de responsabilité dans l'église à quelqu'un pour le garder, pour le maintenir. Ça ne se fait pas ici. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur le sauve. Parce que sinon, c'est à nos risques et périls. Amen. Est-ce qu'on peut lire Romains 11? Francis, 1, 2, 3. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça, c'est. Si les catholiques avaient compris ça, on ne serait pas dans la mer. Parce qu'ils disent ça dans tous les cultes. Par lui, avec lui. Or, c'est par lui. On peut donc réaliser que il est dans la chaîne de tout. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui. Donc c'est quelqu'un seul qui est complet. Donc Dieu est complet, tout seul, sans toi. Donc la seule chose qui a dépassé Dieu, c'est se louer lui-même. Amen. C'est pour ça que lui m'a écrit que quand notre te loue, mais trahit, c'est pour ça qu'il a besoin de gars pour le célébrer. Donc, il ne faut pas que dans ta petite tête, tu penses que quand tu viens là, vraiment Dieu est tellement dans le besoin de toi. Tu fais une faveur. Quand tu lui fais une faveur en faisant un séminaire. Donc, tu lui as fait une faveur en lui donnant ta maison. Pour qu'on fasse les cultes dedans. Donc tu lui as fait une faveur en mettant ta voiture à sa disposition. Tu es malade ou quoi? Sa voiture.
Il faut que ça, ça se clarifie. Donc, en principe, dans la norme, un frère devrait avoir une voiture. Et quand il sort, et le frère l'a demandé qu'il les porte, pour lui, ça devait être une joie immense de devenir utile. Et quand le frère descend, c'est lui qui dit merci d'être entré dans ma voiture. Amen. Alors c'est pour ça que en principe, ceux qui n'ont pas de voiture devraient être à l'aise. Et bon, c'est vous qui avez la voiture. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est juste pour comprendre qu'il n'y a pas une seule chose que tu peux faire pour que l'église te soit redevable. Parce que l'église est son corps. C'est le corps du Seigneur. Pourquoi nous sommes purs? Il est la tête de l'église, c'est vrai ou faux? Est-ce que le sang qui coule sur la tête est différent du sang qui coule dans les veines? Non. Donc si la tête est pure, le corps est pur. C'est pour ça que nous sommes purs. Nous sommes encore. La tête est pure, nous sommes purs. Parce que nous sommes son corps, c'est vrai ou faux? Ouais. Donc il ne peut pas être que la tête est pure et puis le corps a les péchés. C'est bon? Bon, alors il faut donc comprendre que l'église c'est son corps. Ne viens pas dans l'église avec l'esprit de chantage. Donc chantage, j'ai déjà trop prêché, c'est toujours moi qu'on appelle. Vous ne savez pas que l'autre jour, j'ai laissé mon travail pour venir. L'autre jour, j'ai même refusé un voyage. Tu te crois où? Soyons sérieux. Ce genre de langage, en fait, que dès que tu tiens ce genre de langage, ça veut dire que ta compréhension de Dieu a de gros soucis. En fait, tu es en train d'aller loin. Tu es en train d'aller loin. En fait, nous tous, on a chacun à son niveau des petites revendications devant Dieu. Là où on est là, on a des petits. Bon, maintenant, comme on a parlé là, tu vas aller d'abord laisser ça un peu. Amen. Tu laisses même que ça passe 3 mois. Après 3 mois, allez hop. Joseph est quand même parti de la Bulgarie pour arriver ici. Donc, quand il arrive, il a fait un sacrifice pour arriver. Donc, quand lui-même il est là assis, il ne parle pas, mais dans son cœur, Dieu, toi-même, tu sais que je fais. Tu vois l'investissement que je fais pour, la, pour ta convention. Tu as vu les gens qui ont été sauvés. On ne peut pas faire payer ça à Dieu. On fait payer ça à son corps. Donc, on fait payer ça aux frères et aux soeurs. C'est à eux qu'on menace. Tu leur parles arrogamment. Ce n'est pas que tu te prends pour 10 frères. Tu ne te prends pas pour rien. Parce que tu connais les sacrifices. Là où ils sont là, ils savent les sacrifices que j'ai fait. Ils savent. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut dire ensemble que Dieu nous aide? Il y a ton voisin que Dieu nous aide. Toute chose, c'est par lui pour lui. Toute chose. Dieu est celui qui donne et la grâce et les dons. Et il le fait pour un but. Et il le fait pour qui? Il ne le fait pas pour toi. Vraiment, il nous amène seulement au ciel comme ça. Quand vous regardez bien, nous amène ces morceaux. Honnêtement, là. Honnêtement, là, s'il réfléchit bien, il risque vraiment. Il y a même l'affaire du ciel là, ici. Mais il faut qu'on le comprenne. Vous savez, l'humilité ne se décrète pas. Notre humilité est tributaire de notre compréhension. C'est alors, parce que c'est quand tu comprends toutes ces choses. Je suis en train de parler, je ne vous dis pas que moi-même ça me laisse. Donc je vous explique. J'ai ici, j'ai mal ici, là, au bras, sérieusement. Donc,
Mais le mal là, quand je prêche, je le laisse. Dès que je finis. Donc, hier matin, j'ai prié, avant-hier, j'ai prié, c'est donc que c'est la rédemption. Donc, quand des gens ont été sauvés dans mon cœur, j'ai dit que oh Dieu, toi-même, tu as vu. Il ne faut pas quand même que ton fils soit gêné par des choses inutiles. Un truc comme ça qui m'embête là. Donc, je parlais comme ça dans mon cœur. Donc, vers 23 heures, c'était un loup. Je me suis dit vraiment, quand on parle avec quelqu'un qui ne comprend pas. Donc, on est là pour. On va continuer comme ça, dormir, on va passer à rien. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, tu comprends même, tu ne commences pas à discuter pour rien. Mais quand tu vas discuter, tu sors de la discussion, tu es frustré. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu chantes bien, tu prêches bien, tu fais ceci qui est bien, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Tout ça, c'est encore lui qui donne. Et il donne ça pour qui? Pour lui. Et il t'a donné cette possibilité, il t'a donné cette capacité de bien chanter. Et tu veux, ou bien de bien prêcher, tu veux qu'on te supplie dans l'église. C'est vrai que tu ne vas pas dire que supplier moi, mais tu fais comme si on va te supplier. C'est-à-dire à ta manière de faire. Tu hésites, tu fais des allus et tout, tu fais ça dans qui? Et tu es qui? Tu chantes pas ou tu ne prêches pas. Il a d'abord dit que là où lui il est là. Donc s'il s'énerve, il va prendre les cailloux. Donc avec quelqu'un comme ça, toi tu t'amuses, il ne dit pas chercher les cailloux. Et il suscite les cailloux et les cailloux le servent tranquille. Donc là où il est là, s'il s'énerve, donc on est même là par grâce. Mais chers frères, qu'est-ce qui nous dérange exactement? Dieu te donne un talent. Dieu te donne un talent pour jouer à la chorale. Pour que tu viennes. C'est comme si on doit se plier en quatre. On te cherche. Viens alors. Hein? Et puis il répond, est-ce que j'ai l'argent car si tu demandes l'argent car ça. Bien aimé dans le Seigneur, le don qu'il te donne, parce que l'affection comprend ça, ça devient différent. Le don qu'il te donne, il t'a donné ça pour lui. Il a permis que tu aies de l'argent, tu as de l'argent pour lui. Mais si tu ne comprends pas ça, que l'argent c'est pour lui, va là où tu veux partir, va avec ton argent ailleurs. Hein? On n'est pas là pour te supplier, qu'il faut à tout prix que tu sois là. Ouais, pardon, si tu vas à l'église, va tomber sans tombe. Donc, ça ne repose pas sur toi. Et toi-même, et ton argent. Va faire ce que tu veux avec. Et après tu m'as raconté. Soyons sérieux. Donc c'est pour nous une grâce immense de servir Dieu. Une grâce immense de répondre. Parce que même l'argent c'est lui qui te donne. Et il te redemande juste. Le don que tu as, c'est lui qui t'a donné. Et il te le redemande. Quand il te le redemande, tu commences à faire des chiches. Et tu dis que tu comprends ce d'après nous sommes. Et c'est même la raison pour laquelle toi-même, parce que en principe, je n'ai pas trouvé le verset, mais je vais trouver le verset d'ici la fin. Donc quand Dieu tu fais ça là, il dit que mieux vous deux vous perdez, il gâte. Donc gâte. Donc nous tous on reste comme ça. Toi-même tu vois, avec le temps, même chez les mondains, tu t'en sors pas.
Tu tournes comme une toupie. Et après ça, tu reviens un jour. Tu veux qu'on t'acclame parce que tu es revenu. Dieu nous a plantés dans l'église pour lui. Avec tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on est. Et c'est pour nous une grâce de pouvoir répondre par notre service. Éphésiens chapitre 4, verset 8, on vient ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi il a monté en haut, il a amené les parties, il a fait dans les hommes. Il a amené des captifs, il en a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, verset 7, nous lisons ensemble. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée sur la À chacun de nous, la grâce a été donnée. Est-ce que tu peux dire avec moi, la grâce a été donnée? La grâce a été donnée. Donc, tout ce que nous avons, c'est de grâce. La grâce nous a été donnée à chacun de nous. Et ça, c'est pour que nous puissions utiliser dans la maison de Dieu. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. En Corinthiens 4, verset 7. Ils sont ensemble, 1, 2, 3. Car tu es ce qui te distingue. Car tu es le Seigneur Jésus. Et si tu l'as reçu, voilà ton glorifie-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu. Est-ce que ça a besoin d'interprétation? Donc là où tu es assis, il demande d'abord de répondre qu'est-ce qui te distingue des autres. Voilà, ce qui me distingue, c'est que je suis prédicateur. Bon, maintenant, prédicateur, qu'est-ce que tu as là que tu n'as pas reçu? Tu es allé prendre ça où? Dans les autres, je suis chante. Je suis ceci. Bon, tout ça, là, Dieu a donné ça pour toi. Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tu peux forcément ne pas te vanter, ça c'est vrai. Mais c'est que tu utilises cette position pour rire des autres, malmener tous les autres. Ouais. Donc, là, je ne sais même pas. Je suis arrivé là. Quand j'arrive là, on donne le séminaire à l'autre. Donc, on a le séminaire, je ne sais pas. Vous savez, bon, je vais quand même dire ça. Le pasteur Fouet, quand il est né du nouveau, je reste comme ça là. Donc, les gens prêchent. Quand lui prêche, tu sais que lui, ça c'est même quelle manière de prêcher. Donc j'ai envie d'aller le couper. Il prêche. Dès que les gens sont sauvés à son séminaire, je me demande comment ils ont fait pour être sauvés. Donc, et tous ceux qui sont sauvés demeurent. Donc par la suite, je veux comprendre que Dieu donne des grâces. Mais il n'est pas forcément éloquent. Tu ne vas pas utiliser les tournures comme Jesse, comme Luc. Il ne va pas amener tout ça là. Mais lui, il s'en va avec le papa. Vous savez, cette affaire, c'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. Et à un moment donné, tu vois un truc là, c'est un érudit. C'est-à-dire qu'il est beau dans le français, on dit que non, ce genre de personne, il faut que Luc le tienne. Dès que Luc arrive, ça c'est la première phrase. Or, dès que quelqu'un dit que le banc arrive, donc le gars est assis disant que je veux voir où l'imbécile s'y va. Il est là, il est là, il est là. Finalement, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas moyen, tous les prédicateurs là, tout ça, il n'y a pas moyen de se glorifier de quelque chose. Tu ne peux être sûr de rien dans un séminaire. L'homme qui est devant toi, premier bâtiment, amen. Ça devient ton espoir. Tu veux qu'il fasse le séminaire, il est là devant, amen. Oh, il t'a le main et tout et tout. Donc, quand l'heure de témoignage arrive, tu dis que oui, mon frère, j'ai donné le témoignage. Amen. Ce n'est pas un témoignage que je voulais donner, mais je voulais juste demander que, vraiment, l'agneau qui était dans la...
La lutte est venue à la table du tribunal. La prédit est venue à la table du tribunal. Finalement, ils sont là. Avant-hier, j'ai dit au pasteur Thomas, vraiment, moi, je ne comprends pas. Ils sont encore dans la cave de Koumoura. Amen. Non, mais c'est que je vous dis, c'est une histoire vraie. Quand il donne le passé, le prédicateur dit, c'est le passé. S'il n'a pas tapé le gars. Alors, dites-moi alors, pourquoi il est énervé? C'est que son joker là. Parce que lui-même, il doit montrer les gens qu'il a sauvés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de réaliser que c'est une grâce. Dans 20 minutes, nous avons fini. On va prendre ce dernier point. La question du pouvoir et du positionnement. La demande des fils de Zébédée. Est-ce qu'on peut lire ensemble Marc chapitre 10, verset 35. 1, 2 et 3. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : mais nous voulons le fils pour nous, ce que tu es demandé. Que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Le Seigneur l'a lui-même n'a pas eu moins chaud. Les gars viennent voir Dieu. Que là où on est là, on est venu te demander un truc que tu dois faire. Quand on va te demander ce que tu dois faire. Et il compte sur quoi? Parce que nous avons eu le privilège. On a tout sacrifié pour te suivre. Donc c'est pour ça que ce que nous on te demande là, tu dois faire. Alors, qu'est-ce qu'il demande? L'aile assise à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Dis avec moi le positionnement. Oui, toi, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas visible là maintenant. Mais c'est aussi comme ça que tu procèdes. Vous savez, généralement, nous avons un très bon chanteur qui est là. Il estime qu'en tant que très bon chanteur, c'est lui qui doit être à la tête de la chorale. C'est lui, parce que c'est lui qui maîtrise les gammes. Et quand on dit que ce n'est pas lui, il dit que je ne comprends pas. On n'aime pas valoriser les talents dans l'église. Et c'est ça que je vous dis depuis. Comme notre bonhomme là nous disait, je chante, je fais la flûte, je fais la guitare, je fais le piano, je fais l'harmonica. Je leur ai dit que rentrez pas dans le. Donc, nous avons donc besoin de le comprendre. Le positionnement ne dépend pas de toi.
la position dans l'église, les gars vont venir lui dire ça. Quand les autres apôtres vont apprendre ça. En fait, la Bible dit qu'ils seront énervés. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont énervés? Et quand ils disent non, c'est que ils étaient là, ils disent que non, eux ils croient que nous sommes les fous ici. Donc, eux ils sont quittés la poire, les donc moi, Pierre. Donc moi, ma position doit être où? Quand ils prennent déjà la gauche et la droite, deux frères dans la donc moi, on va se tenir. Bon, maintenant, quand il s'énerve, il ne va pas s'énerver comme ça, que nous, on va se tenir où? Il va s'énerver que, mais comment toi, tu peux demander une chose pareille au Seigneur? Donc, on s'énerve avec des versets bibliques. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous sommes énervés. Mais comme on ne peut pas dire clairement que ça nous énerve, on habille ça avec une défense des versets bibliques. Donc on reproche spirituellement. Donc, mais au fond, ce n'est pas le côté, ce n'est pas les intérêts de Dieu qui nous menacent, mais c'est de nous qui. Alors, Marc 10, verset 39. On est ensemble, 1, 2, 3. Et Jésus leur répondit. Il est vrai que vous croyez en vous que je dois boire et que vous serez baptisé, mais pas la même chose, je dois être baptisé. Oui? Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et je serai donné à ce que je suis à la tête. Donc, je veux que tu lises ce qui est en rouge. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Donc, si tu peux comprendre ça, bon, je dis ça, c'est pour ton bien, hein, c'est même pas pour notre bien. Si tu comprends, ça va t'aider. Si tu ne comprends pas, tu peux souffrir jusqu'au jour où tu comprendras. Mais Dieu dit que ce ne sera donné qu'à ceux à qui ça a été réservé. Donc Jésus lui dit que même là où moi-même je suis assis là, ça ne dépend pas de moi. Donc j'ai pas moyen. Donc les positions ont déjà été réservées. Donc chacun entre là comme le pied dans la chaussure. Donc ça ne sert à rien de lutter. Un, c'est pas ton église. Deux, c'est pas ta chose. Troisièmement, ce n'est pas pour toi que les gens sont là. Donc, et le propriétaire est vivant. Donc, quand lui, il met quelqu'un à part, toi, tu commences à te plaindre pourquoi? Tu déranges pourquoi? Si tu comprends, mieux ça ira pour toi, mieux ça ira pour ta foi. Il est incompétent, il n'a pas de souci. Il y a un propriétaire pour ça. Donc, s'il veut le changer, il va aussi le changer. Donc, s'il ne veut même pas le changer, il le tue. Est-ce que les gens ne meurent pas chaque jour? Alors, s'il veut l'enlever de ça, il le tue. Et venez, non. On le pleure et puis la personne est changée. Donc, pourquoi toi tu penses qu'il a beaucoup de cartes pour ce qu'il peut faire? Donc, il faut pouvoir comprendre que chacun est à sa place. Ce leader est le leader que Dieu m'a donné. Le pasteur de mon assemblée est le pasteur que Dieu m'a donné. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc c'est le Seigneur qui arrange tout. Est-ce que quand le pasteur Joseph a été nommé coordinateur, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres gens? Il y avait d'autres gens. Mais comment ça a fait? Non, on ne sait pas. C'est lui qui est là. Bon, moi je peux à quoi accepter que si tu trouves que ça ne va pas plus qu'il meurt. Là où est-ce qu'il meurt, toi tu dirais que c'est Dieu qui a tranché. Alors, disons ensemble Romains chapitre 9, verset 16. 1, 2, 3. Et sinon, cela n'est pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Oui. Les 10 ayant entendu cela. Commencez à s'éduquer sur le cas des gens. Amen. Alors, la chose, c'est réservé. En principe, les positions sont réservées. Mais, si tu estimes que tu tiens à tout prix à être leader par tous les moyens,
que toi tu n'attends pas que ce soit réservé. Tu vas te battre par tous les moyens. Jésus a prévu un moyen de se battre. Il dit à ton voisin, il a prévu un moyen. Donc, il a dit Marc 10, verset 43, lire, est-ce qu'on te dit? Il n'a rien pas de même pour le lieu de vous. Mais quiconque de l'être n'a pas de vous, qu'il soit votre serviteur. Bon, on n'a pas dit qu'il soit votre serviteur de Dieu. Il ne faut pas comprendre qu'il soit votre serviteur. Ouais. Ah non, je veux mieux que tu lises ça. Est-ce qu'on peut lire ceci ensemble? 1, 2, 3. Quiconque de l'être n'a pas de vous, qu'il soit l'esclave de tous. Bon, écoutez. Dieu dit, en ce qui concerne le positionnement, c'est réservé. Bon. Soit tu comprends ça et tu vis tranquille. Bon, si tu estimes que tu n'es pas d'accord, Dieu dit, il y a un moyen que tu peux aller charnellement. Et le moyen est lequel? C'est que tu deviens esclave de tout le monde. On n'a pas d'esclave de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le frère t'appelle le matin, tu pars avancer, c'est la vie, tu laves, quand tu as fini, un autre t'appelle, viens nettoyer ma maison, un autre t'appelle, donc ainsi de suite, et on espère que quand tu auras fini ça, tu pourras être chef. Hein? Bon, qu'est-ce que tu préfères? Reste tranquille. Ah, c'est maintenant que tu préfères rester tranquille. Non, mais puisque tu es dans les revendications. Parce que c'est toujours toi, tu fais comme si tu étais le conseiller de Dieu en charge des affaires ecclésiastiques dans cette assemblée. Donc, quand tu es là, tu es toujours là pour étudier les discours. Normalement. En temps normal, quand on réfléchit. Réfléchis bien. C'est normal, non? Écoutez un peu. Dieu nous a sauvés. Vraiment. Il ne t'a pas sauvé pour que tu viennes avoir l'ABC pour les choses qui ne te concernent pas. Vraiment, tu souffres trop pour rien. Tu bavardes à longueur de journée et t'as énervé. Le Seigneur te pose la question, pourquoi toi tu es irrité quand Dieu ne m'en est pas. Et tu bavardes, tu es énervé. Tu prends le nom de ce frère, tu envoies à gauche, tu prends celui-là, tu envoies à droite, tu expliques. Tu n'es pas conseiller de Dieu dans cette assemblée en charge des affaires ecclésiastiques. Et Dieu, pour ta gouverne, il faut que je te dise, avec tous les conseils de personnes, c'est le seul type sur la terre que j'ai vu qu'il n'écoute pas le conseil. Donc ça ne sert même à rien de le conseiller. Donc il n'écoute pas. Il fait comme bon lui semble. Donc si tu es donc prêt à être esclave de tous, c'est une très bonne chose. Pourquoi? L'élévation, il t'a expliqué ça à maintes reprises et il reprend. Psaume 75, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Car ce n'est ni de l'eau, ni de l'océan, ni du désert, ni de l'élévation. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça ne vient pas du désert. Ça ne vient pas de l'Orient. Ça vient de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? En fait, si tu es spirituel, est-ce que vous comprenez un peu? Si tu es spirituel, tu dois comprendre que l'élévation vient de Dieu. Et en fait, quand tu ne comprends pas que ça vient de Dieu, c'est la preuve que tu es charnel. Et c'est vrai, non? Puisque charnellement, tu es charnel, pourquoi? Parce que toi, tu regardes les hommes. Tu regardes les compétences, tu regardes ceci. Mais si c'est de Dieu, tu comprends que ça vient de Dieu. Et là, quand tu es arrivé dans l'église, tu es plus tranquille. Parce que c'est l'affaire de Dieu. Amen. Tu comprends que c'est Dieu. Tu acceptes ce que Dieu a dit. Comment Dieu a fait. Et tu pries pour cela. Il t'explique ça. Il a déjà expliqué à maintes reprises. Mais c'est difficile à comprendre. Psaume 75, verset 7. 1, 2 et 3. Mais Dieu est celui qui juge. Il a raison et il est l'homme. Non, je suis sûr que tu n'as pas compris. On lit ensemble 1, 2, 3. Mais Dieu est celui qui juge. Il a raison et il est l'homme.
que toi tu penses que Dieu veut faire quelque chose avec toi? Donc il veut te donner 10 000 et puis un frère empêche. Bon, quand tu tiens les discours comme cela dans l'assemblée, tu vois comme ça, on devait déjà me nommer. Hein. On devait me nommer. Après, si c'était moi qui devais avoir ça. Mais c'est le frère tel qui allait me salir. Donc toi, tu ne sais pas que c'était dans le plan de Dieu qu'on te salisse pour qu'on ne te donne pas cette position. Donc, il abaisse un et il élève l'autre. Point barre. Soit tu comprends, ou bien tu bavardes. En tout cas, ça, ça te regarde. Mais il faut bien que les gens cessent de clocher. Amen. Il faut cesser de clocher parce que c'est... Tu ne veux pas être sous un pasteur que toi tu es en train d'insulter chaque jour. Ça ne t'aide. Ah, vraiment, si je ne sais pas. Je viens là malgré moi, mais tu restes à la maison. Tu viens malgré moi pour venir chercher quoi? Tu restes à la maison. C'est pour ça que je vous ai parlé ici. Est-ce qu'on peut lire ensemble un de toi? Ces gens apportent leur violon dans leur cœur. Ils attachent les gars et ils étaient à l'autre dans le monde. Mais les donc, quand tu commences à pouvoir dire des choses que Dieu n'est pas, d'abord dis que quand tu dis, c'est moi qui devais être là, mais on m'a bloqué. Et on te demande, tu parles, c'est les choses là se sont passées où? Et tu réponds, parce qu'il faut que tu expliques le cas. Ça s'est passé où? Au bureau ou bien c'était où? Tu dis dans l'église. Bon, la question normale qu'on doit te poser, est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça dans l'église? Puisque celui qui connaît l'église sait que le propriétaire est vivant. Et que c'est lui qui fait toutes choses. Donc en principe, tu ne devrais pas prononcer une parole pareille. Si tu es donc en train de prononcer ça, ça veut dire que le Dieu en qui tu crois est différent de celui qui est dans cette église. Et ça fait que tu es en train de servir une idole. Donc tu as commencé par l'esprit et tu es en train de finir par la chair. Que Dieu nous aide à ne pas finir par lâcher. Amen. Si Dieu nous aide, on pourra finir. On va chanter un chant et on va partir à l'heure à l'agneau. Je ne sais pas si celui qui prêchera demain va nous donner une heure. Bon, je pourrais venir. C'est à négocier. Je vais écouter cette parole. Et Dieu, parce que il y a une expression qu'on a toujours utilisée entre le prédicateur et ton oreille. Il y a Dieu au milieu. C'est ça la chose qui est compliquée. Je dis bien, entre le prédicateur et ton oreille, il y a Dieu au milieu. Donc maintenant, toi, tu t'appuies sur quoi? Sur le prédicateur ou bien sur Dieu qui est au milieu? Parce que Dieu qui est au milieu, il est le seul, depuis le début, celui qui t'a d'abord amené. Donc c'est lui qui connaît ton besoin. Et c'est lui qui connaît qui il va utiliser pour régler ton besoin. Et parfois même, ce n'est pas ce que tu vois. Généralement, un frère vient te dire, il a fini de prêcher. Aussi, pour les prédicateurs qui sont honnêtes, parfois les gens viennent te voir, ils te disent que tu as parlé aujourd'hui et je t'assure que ça a touché mon cœur. Et la personne t'explique ce qui a touché son cœur. Donc quand il explique ce qui a touché son cœur dans ta prédication, toi-même tu sais que ce n'est pas ça que tu voulais dire. C'est déjà arrivé à un prédicateur. Hein? C'est pas si. Toi-même, quand tu l'écoutes, tu es émerveillé. Et c'est même pendant que lui-même est en train de te dire ce qu'il a compris, que toi-même tu comprends que le verset l'a fait se dire comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le verset? Bien aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle, si nous quittons le fondement de Dieu qui doit être le premier en toutes choses, nous devenons immédiatement jamais. Je viens à l'assemblée parce que c'est une réunion d'assemblée. Je viens parce que c'est elle qui prêche. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Je vais aller écouter ce séminaire parce que c'est elle qui va le faire. C'est une catastrophe qui n'a pas de nom. Parce que celui qui compte sur Dieu
Il vient parce qu'aujourd'hui est le jour d'enseignement. Et je m'en vais pour être enseigné par l'Éternel. C'est sur ça qu'il se tient. Donc, quand le monsieur monte sur l'estrade, il sait que celui qu'on a envoyé là est là pour l'enseigner. Bon, sinon, on va donc faire comment? À un moment donné, tu auras fini donc tous les prédicateurs que tu n'as pris quelqu'un pour t'enseigner. Et tu es donc obligé, comme le pasteur Chine a dit, de te tourner sur YouTube. Tu passes sur Google pour aller maintenant commencer à ramasser n'importe quoi et venir déranger les gens avec. Parce que c'est toujours quand il sort, quand il est parti là-bas, quand il revient de là, il revient étant blessé et balafré à tous les niveaux. Donc pour le guérir, ce n'est pas évident. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le nom sauvé, lui il trie les enseignements comme je le disais tantôt. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. 1, 2 et 3. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je voudrais poser la question, bien-aimé dans le Seigneur, qui était sauvé avant? Et qui a vécu dans l'église de Dieu avant? Là où nous tous nous venons d'être sauvés, sans nous n'avons que 12 ans à l'heure actuelle, pour être plus vieux. En Afrique, nous avons 12 ans. Le pasteur Chine a dit hier que lui, ça fait combien de temps? À 88. Hein? 34 ans. Bon. Quand nous on reste là et... Les certains n'étaient pas encore nés dans la chair. Bon, mais... Et quand vous lisez les actes des apôtres et les épîtres, l'une des choses que plusieurs ne savent pas, c'est que ce que disent les épîtres et ce que disent les actes des apôtres, nous sommes face à une narration. Donc, toutes ces choses-là ne se sont pas passées le même jour ou bien quand l'église avait 2 ans. Il y a des paroles qui sont écrites là, qui marquent, qui se sont passées quand l'église avait déjà 30 ans ou 40 ans. Mais quand toi tu regardes, tu penses que c'est là, là, là. Il y a des choses qui sont de notre ressort, compte tenu de notre âge. Et comme nous sommes aujourd'hui, c'est pas comme ça que nous étions il y a cela 5 ans, 4 ans. Non. Les choses que nous parlons aujourd'hui, c'est pas ce que nous parlions il y a cela quelques années. Il y a le langage qui change. Il y a même des gens qui changent. Il y a des personnes que quand tu voyais il y a cela quelques temps, tu restais comme ça, tu te dis vraiment, Dieu sauve les individus que vraiment. Avec celui-ci, on va arriver. Mais aujourd'hui, tu le trouves qu'il a radicalement changé. Et tu aurais pu le tuer à cette époque. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a oublié de s'appuyer sur l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Le non-sauvé, lui, il a déjà la démangeaison. Il connaît les choses qu'il doit entendre. Donc, si quelqu'un sait que les choses que lui doit entendre, quand je viens dans un enseignement comme ça, voici ce que je vais entendre. Bon, on va donc t'enseigner par rapport à quoi? Puisque toi, tu sais, tu as le répertoire de ce que toi, tu veux entendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire en ce qui te concerne. Ça, je ne dis pas que c'est nous, mais c'est celui-là qui sait que si. Et donc, dans un enseignement, ou bien pendant qu'on prêche, il est assis, mais il se tient à l'écart. Je dis qu'il est assis charnellement. Mais au fond, il n'est pas là. Il est à l'écart. Et dans son cœur, si ce n'est pas avec sa bouche, il critique. Tout ce qui sort, il critique. Est-ce qu'on peut lire ensemble Proverbe 18, verset 1? Celui qui se tient à la parole cherche lui-même. Il s'y rend de tout ce qui est sage. Donc, il est irrité. Alors qu'il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais il est là. Il est irrité, tu ne sais pas pourquoi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur,
Ce sur quoi je suis en train de parler et d'insister là maintenant, c'est qu'il faudrait que le Seigneur revienne au centre. En fait, la majorité des problèmes qu'on a, quand vous allez fouiller au fond, c'est que les gens ne voient plus Dieu. Alors quand lui, il ne voit plus Dieu, il a comme l'impression que Dieu n'est plus là. Donc comment Dieu donc peut faire l'église et s'en aller? C'est vous qui allez le chasser. Le sauveur reconnaît sans embâche le dirigeant que Dieu lui a donné. Acte chapitre 20, verset 28. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Réunis les condamnés à vous-même et à tout le concile lequel le Saint-Esprit vous a établi pour faire de l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Bien-aimé dans le Seigneur, les dirigeants que tu as, heureusement, le pasteur Chinal a parlé tout à l'heure. L'église, Dieu travaille dans l'église, mais il travaille au travers des hommes. Alors, quand quelqu'un a été sauvé et amené dans l'église, d'abord, est-ce qu'il est venu de lui-même? Non. Il a été comment? Planté. Alors, ayant été planté dans l'église, c'est lui qui avait choisi le prédicateur qui lui a prêché? Non. Bon, maintenant, c'est lui qui va choisir son pasteur? Non. Non, je pose la question, est-ce que c'est lui qui choisit son pasteur? Non. Comment se fait-il que tu peux choisir celui qui va te perdre? Vous savez, ce sont des petits éléments. Ce sont des tout petits éléments. Je dis bien, c'est tout petit. Mais la profondeur en est très grande. Tu es là et tu estimes que celui-ci ne peut pas te perdre. Et tu vas choisir celui qui va te perdre. Je t'ai choisi en tant que mon pasteur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon pasteur. Vous savez, quand je dis ça, ce n'est pas forcément que le pasteur est mauvais. Là où nous sommes là, je suis en train de parler de, comment on appelle ça, de ce sur quoi tu t'appuies. Et ça peut se passer entre nous. Je m'explique. Quelqu'un peut être dans l'assemblée d'Abina, mais il choisit que Boba, lui, il sera son pasteur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, quand tu lui demandes là, il te dit que là où lui il est là dans l'assemblée, mais lui, il n'écoute que les audios. C'est ça le choix. Il n'écoute que les audios qui viennent du Cameroun de Boba. Donc, c'est ça que lui, il écoute. Quand lui, il est là, il n'est pas là pour écouter les gars. Écoutez donc mon enseignement, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais seulement ce sur quoi il s'appuie, c'est ça qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, et ça c'est valable maintenant pour tout, pour tout le monde. C'est valable à tous les niveaux. Et cela démontre à suffisance qu'un individu est devenu charmé. Admettons qu'il soit sauvé. S'il est sauvé, ça veut dire qu'il a commencé par l'esprit. Et maintenant, il a fini par la chair. Il est devenu un être charnel. Et il est charnel comme ça, mais il parle bien. Mais il parle bien, il a un beau discours et cohérent, mais étant charnel. Il te dit, tu vois, frère, il y a des enseignements, il y a des frères que quand tu écoutes, quand tu sens qu'il ne connaît encore rien, il a encore besoin de s'asseoir. Là, il est là, il a besoin de s'asseoir. Ce qu'il dit est vrai. Bon, mais seulement que pour la réunion là, la réunion du mercredi là, Dieu a voulu que ce soit ce frère qui partage. Donc, ton rôle en tant que premier du Seigneur, c'est de t'asseoir et d'écouter la parole. Même dans ses balbutiements, et c'est pas moi qui dis, le Seigneur a choisi à un moment donné de parler aux hommes par les lèvres balbutiante. Donc même pas des lèvres balbutiantes, il est capable de te dire ce que lui, il a à te dire. Amen. Vous savez, c'est très important quand nous sommes en train de penser, quand nous parlons de
la parole qui sort et de ce que tu entends, qu'il y a Dieu au milieu. C'est comme un amusement, mais c'est très sérieux. Vous savez, ce peuple, ce roi de Syrie, Dieu lui a fait entendre les sabots des bœufs, les sabots des chevaux. Il a cru que la guerre avait commencé. Donc, il y avait des lépreux qui étaient devant sa porte. Et ils n'ont rien entendu. Mais lui, il a entendu. Et avec tout son peuple, ils ont vidé la cité. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce que nous comprenons, c'est Dieu qui nous donne de comprendre. Donc, à n'importe quel niveau, quelle que soit la parole ou quel que soit le prédicateur, c'est Dieu qui travaille par rapport à ce que tu dois comprendre. Une fois que nous devenons comme ça, nous sommes, en fait, quand nous sommes dans cet état d'esprit, nous sommes spirituels. Parce que nous ne regardons pas à un homme, mais nous regardons à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, imaginez-vous que nous soyons comme ça dans l'assemblée et que les gens regardent à Dieu. Un jeune frère aura été choisi pour enseigner. Quand il finit d'enseigner, il voit des vieilles personnes lui dire: non, je remercie le Seigneur pour toi. Tu m'as touché. Donc le jeune frère lui-même cherche dans sa tête qu'est-ce qu'il a bien pu dire qui a touché cette personne. Les autres prédicateurs peuvent aussi lui dire merci. Mais quand les gens sont charnels, dès que tu vois d'abord sa tête, tu dis que qu'est-ce qui peut bien sortir de mon corps. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette église. Quand ce sont déjà des individus comme ceux-ci-là, pour aller mettre quelque part pour partager la parole, c'est que ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Est-ce que, bon, et on a fait tout ça. On a fait tout ça. Alors qu'il y a lui qui est là. Et il est assis. Il y a des vrais comme ceux-là qui sont assis. Au lieu qu'on leur donne la parole, on vient nous perdre une soirée. Le discours qu'il donne est cohérent. C'est vrai ou faux? Mais c'est cohérent comment? Charnellement. Parce que dans tout ça, il ne voit pas Dieu. Et c'est comme ça que nous avons fini par frustrer plusieurs pasteurs. C'est-à-dire que on lui avance. Donc, puisque quand on bavarde comme ça va finir par arriver chez lui. Lui, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre, il va dire à un tel, puis on va dire à un tel, puis on va dire à un tel. Finalement, ça va arriver. On lui dit que vraiment, tu sais, les gens ont dit que vraiment tout ce que tu as dit là, c'est des conneries. Hein. La prochaine fois qu'on va trop lui donner la parole, c'est-à-dire que lui-même ne sait plus comment se tenir. Parce que c'est difficile de prêcher quand tu sais qu'on va te juger. Puisque les gens comme ça sont là, ce n'est plus une prédication pour communiquer quelque chose au peuple. Mais tu viens maintenant comme à une soutenance de terre. Et puisque tu es à une soutenance, et les gars qui sont là sont chargés de te noter après. Et quand nous sommes. À ce niveau, nous ne sommes plus à l'église. Tout le monde est obligé de déserter. Hein? Nous sommes devenus à l'université, à l'académie. Donc nous sommes désormais dans une académie. Donc les gens sont là. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment. Donc là où ils doivent mettre le il met là. Il fait la conjugaison. Juste pourquoi? C'est qu'il est tétanisé quand il regarde nos yeux. Fait que rien. Donc, quelqu'un arrive là, dès qu'il a vu le prédicateur, il s'assoit à l'angle et il allume son téléphone. Il prend les écouteurs. Donc, lui-même, il comprend ce que ça veut dire. Il sait que là où c'est là, ça ne vaut pas la peine. Bien aimé dans le Seigneur. C'est aussi facile pour nous comme ça de devenir des êtres charnels. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait n'a plus rien à voir avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, comme c'est ça que vous avez choisi, vous aurez donc des guerres. Et nous sommes donc entrés en guerre. C'est-à-dire que l'église est en conflit. Immédiatement à gauche, il y a ceux qui sont de Paul et les autres, ceux qui sont des séfastes. Donc chacun commence donc à soutenir sa part de prédicateur. Et à un moment donné, on est dans des conflits à n'en plus sortir. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Donc le sauver reconnaît sans avantage le dirigeant que Dieu lui a donné. Parce que ce n'est pas lui qui le choisit.
On dit les dirigeants, ils ont été établis. Est-ce que tu peux dire avec moi, le dirigeant a été établi? Il ne s'établit pas lui-même. Il a été établi. Tout mon problème, c'est de savoir, est-ce qu'il a été établi? Est-ce qu'on peut dire amen? Là où je suis, en tant que le pasteur Boba en Afrique, je ne me suis pas établi moi-même. Qu'un autre te loue par toi-même. Le coordonnateur du Tchad, il ne s'est pas établi lui-même. À partir d'aujourd'hui, je serai votre coordonnateur. Vous devez vous mettre dans la tête que désormais, c'est pas moi que ça passe et c'est moi le coordonnateur ici. Dis à ton voisin, ça ne se passe pas comme ça. Le Saint-Esprit vous établit. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ça là, pour celui qui est sauvé, il sait que voici le dirigeant que Dieu a trouvé bon pour moi. Ce n'est pas que le jour où on a voit tel pasteur à cette assemblée, on nous a tué. Je suis allé chercher une autre assemblée. Il faut que moi je trouve une autre assemblée. Tu le vois traverser la ville pour aller chez dans une autre assemblée alors qu'il y a l'assemblée à côté de lui. Quel est le souci? C'est qu'il dit, ça se tient. Dis avec moi, ça tient. Mais seulement c'est ce sur quoi il se tient, c'est qu'il ne se tient pas sur Dieu. Il ne se tient pas sur Dieu. Il est purement jamais. Hébreux chapitre 13, verset 17. 1, 2 et 3. Ce ne sera possible qu'à une seule condition, que toi tu vois Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, ce n'est pas possible. Ce ne sera jamais possible. Jamais. Puisque les hommes qui sont là devant, qu'on appelle les pasteurs, tous sont imparfaits. C'est vrai ou faux? Il y aura toujours quelque chose à redire. Tôt ou tard, dis avec moi toujours. Donc, si c'est sur ça que tu te tiens, ça veut dire que tu es jamais. Si tu te tiens sur le Seigneur, tu auras un autre regard. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu ne trouves pas que tu as déjà assez compté comme ça sur toi? Est-ce que tu t'es déjà tellement appuyé sur toi-même, sur tes théories, sur ton expertise? Alors, parlons donc de celui-là qui s'est glissé. Il se cherche lui-même, ses enseignants, et choisit qui doit le conduire. Donc, et s'il ne trouve pas, il se conduit lui-même. Il devient son propre conducteur. Mais s'il te dit qu'il est son propre conducteur, ce sera grossier. Donc, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis conduit par. Quand il n'a pas dit c'est moi-même, puisque s'il dit c'est moi-même, ça va être possible. Mais quand tu vas chercher, puisque le Saint-Esprit travaille par quoi? Par des hommes. C'est vrai ou faux? Toute cette affaire, depuis son salut, jusque là où il est, pourquoi il n'est pas allé se baptiser lui-même? Hein? Puisqu'il ne sert pas un homme, lui ne conduit pas l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas se faire baptiser lui-même. Donc Dieu utilise toujours un homme. Alors s'il connaissait Dieu, il saurait que c'est Dieu qui est en train d'utiliser cet homme. Mais comme il ne connaît pas Dieu, lui-même, il se donne sa foule de docteurs. Vous savez, avant, quand je lisais ce texte, je ne savais pas là où les gens allaient trouver la foule de docteurs.
Moi, je me disais que Dieu lui-même, il dit les choses. Il vient d'abord pour les gens qui prêchent. Il va trouver la foule de docteurs là-haut. Mais c'est quelques années plus tard, avec Internet, je me suis rendu compte que tu as les prédicats. Tu peux te donner une foule de docteurs de n'importe quel calibre. Tu choisis celui qui est bon, celui qui te plaît, celui qui est taillé à ta mesure. Amen. C'est vrai ou faux? Et plusieurs choisissent. C'était on a déjà fait. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, ou lui-même, permettez que je vais finir la première partie avant qu'on. Le repas est prêt? Elle dit que ce n'est pas prêt. Donc, dès que j'ai posé la question, il y a des gens qui sont volés. Dès que j'ai dit le repas est prêt, tous leurs yeux se sont ouverts et ils ont regardé. C'est ce qu'on appelle le produit de fêter. Hein? On vient de poser au feu. Bon, on finit quand même cette partie, non? Acclamons alors le Seigneur. Non, il n'y a pas de soumis. Actes chapitre 20, verset 29. 1, 2 et 3. Le Seigneur qui s'est produit parmi vous, avant de vous débarquer, des loups qui est en train de vous parler, et qui se lèvera au milieu de vous, et aux enfants qui enseigneront des choses précieuses pour amener les disciples à la paix. Amen. Ces gens-ci, vous pensez que quelqu'un peut sortir du dehors ici et venir nous détourner? Non. Il faut quelqu'un qui soit là-dedans. On appelle ça une cellule dormante. Il était là, il a glissé depuis longtemps, mais il est là. Donc, il prend de l'ascension. C'est pour ça que même si on monte, on descend, même quand on va être très, très rigoureux, même ça, on aura toujours ces gens. Parce que c'est un principe. Jésus lui-même allait s'en parler. Est-ce qu'on peut dire amen? On aura notre part. Parce qu'ils sont aussi là pour éprouver notre foi en tant qu'envenant. Donc, il va entrer, il grandit à l'intérieur jusqu'à ce qu'arrive le moment où il doit donc apporter. Parce que vous pensez qu'un jeune converti peut venir nous enseigner et puis on le suit? Non, ça c'est vieux. C'est vieux, reconnu, adoubé, bien installé. C'est lui qui peut donc apporter ça. Parce qu'il a tous les tons et le pathos nécessaire pour entraîner après lui les disciples. Et ça, ça va toujours exister. Bon, mais là maintenant, donc ça veut dire qu'ici, c'est lui-même qui se conduit et cherche les gens qu'il va conduire. C'est vrai ou faux? Donc il se conduit lui-même. Et c'est lui qui estime donc que lui, il marche par rapport au Saint-Esprit. Et il cherche d'autres gens. Moi, j'ai souvent posé la question aux gens. Si toi, tu marches par le Saint-Esprit, pourquoi toi, tu veux alors marcher? Puisque moi aussi je suis sauvé. Laisse-moi aussi marcher par le Saint-Esprit. Pourquoi tu te bats pour m'enseigner? Puisque toi-même personne n'est enseigné. Tu marches par le Saint-Esprit, donc laisse aussi les gens marcher par le Saint-Esprit. Mais toi tu marches par le Saint-Esprit et tu exiges que tu vas enseigner les autres. C'est incongru. Et c'est ce qui va se passer avec ce que le pasteur Chine parlait tantôt. Nombre 14, verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Et c'est le nom d'un chef et le nom d'un chef. Nommons-nous un chef. Est-ce qu'on peut dire ensemble nommons-nous un chef? Nommons-nous un chef. Bon. Alors, écoutez-moi un peu. Soyons. C'est vrai que ça arrive, mais ça ne se dit pas comme ça, mais c'est comme ça que ça se fait. Même si on ne nomme pas, mais on voit quand même le nouveau chef. Hein? Il n'y a pas de coupe sans chef, merci. Dis avec moi, il n'y a pas de coupe sans chef. Bon, maintenant, ils disent nommons-nous un chef. Vous savez, dès qu'il y a un chef, il faut qu'on s'accorde très bien. Moïse a pris le peuple. C'était pour aller où? Direction Canaan. Bon, quand ils se nomment un chef, direction où? Direction de mer.
une nouvelle orientation. Une nouvelle direction. Tu as une nouvelle direction. Donc, tu ne peux pas avoir un nouveau chef et tu continues dans la même direction. Puisque maintenant, si vous continuez dans la... Attendez. Écoutez un peu. Parce que si tu as un nouveau chef et vous continuez dans la même direction, on va lui demander que pourquoi on est encore sorti. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est donc la raison pour laquelle, vous savez, il y a parfois des revendications corporatrices au départ. Donc, les gens commencent avec une petite revendication. Ça monte. Mais dès qu'ils sont sortis, vous allez vous rendre compte que 3 mois, 4 mois plus tard, la revendication a pris une autre tournure. Pourquoi? Le virage doit se faire. Pourquoi? Il a la pression du peuple. Donc quand il veut avancer, s'il veut refaire les mêmes choses, on dit que c'est un peu les choses de là-bas que tu peux avancer. Conclusion, il faut qu'il apporte du nouveau. Alors le nouveau qu'il apporte ne peut pas continuer dans la même direction. Hein? Donc, bien aimé dans le Seigneur, alors il faut qu'il change. Dès qu'il se donne donc une nouvelle vision, allez vérifier la vision. Si nous sommes en train d'aller à Canaan, alors eux, ils sont obligés de prendre le chemin retour. Sans colonne de feu. Non, ils ne foutent rien avec la colonne de feu. Quand ils font. Ils ont le GPS. Ils marchent avec le GPS. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Donc, vous savez, c'est pour ça que j'ai souligné retournant. Ça ne se voit pas vite. Mais seulement, un nouveau chef a une nouvelle direction. Même si tu ne vois pas encore et que tu es avec un nouveau chef, sache que vous avez une nouvelle direction. Même si ce n'est pas encore vu, c'est qu'il ne veut pas prendre le virage de manière brutale avec toi. Donc, on va aller doucement, jusqu'à ce que le virage soit opéré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ici qu'on bénisse le Seigneur pour quelque chose. Il y a notre salut, je l'ai dit ici vendredi dernier au QG. Il y a notre salut, il y a notre acte de naissance spirituelle et il y a l'acte de naissance de notre communauté. De la communauté où on se trouve. C'est très important. Notre communauté, là où nous avons été plantés, n'est pas née d'une revendication. Elle n'est pas née d'une frustration. Elle n'est pas née d'un, comment on appelle ça? D'un schisme. Non, elle est née de l'acte 26, 17 à 18. C'est ça le problème. Donc, on n'est pas né d'un schisme. Ce n'est pas qu'on a commencé une revendication quelque part. Nous, on n'est plus d'accord. On n'est pas d'accord. Puis on est parti. Non. Donc, ça veut dire quoi? De la même manière que je m'assure de mon salut, je dois aussi m'assurer de là où je suis planté. Est-ce que nous sommes là parce que nous sommes sortis par revendication? On revendique. On est énervé. Vous savez, on est en droit de se poser la question. Sous quel leader tu es? Parce que dans tous les cas, est-ce que tu peux dire avec moi, dans tous les cas, on est toujours sous un leader. Hein? C'est vrai ou faux? On est là où tu es là, chacun est sous un leader. Automatiquement. J'ai dit bien automatiquement. Donc le leader l'a perdu toi-même. Mais tu es sous un leader. Dans tous les aspects, tu es sous un leader. Mais là, vous savez, avant, en matière du Saint-Esprit, quand
Quand tu vois des, quand tu sors ici, d'ailleurs, tu ne vas pas aller poser la question aux gens, est-ce que tu as le Saint-Esprit ou tu n'as pas le Saint-Esprit? Ça ne te sert à rien de trouver un pathécotiste et commencer à lutter avec lui, que l'esprit que tu as là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous n'allez pas vous en sortir. Il va te démontrer par A plus B que c'est l'esprit de Dieu. Toi, tu vas lui démontrer aussi par A plus B que ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais ça ne va pas donner. Or, c'est Paul qui nous apprend à poser les bonnes questions. L'esprit que tu as reçu, comment est-ce que tu l'as eu? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, maintenant, la bonne question également, la bonne question ne consiste pas à demander à quelqu'un, est-ce que tu suis Dieu, tu marches selon l'homme ou bien tu marches selon l'esprit? Non, la bonne question à lui poser, est-ce que tu es sous le leader que Dieu t'a donné ou bien tu es sous le leader que toi-même tu as choisi? Ça, c'est la bonne question. Et là où nous sommes là, tous nous devons y répondre. Tu es sous quel leader? Le leader que tu t'es choisi ou le leader que Dieu t'a donné? Parce que le leader que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas choisi. Et maintenant, le leader que toi-même tu t'es choisi, toi-même tu sais que tu as quitté sûrement le leader que Dieu t'a donné pour aller te choisir un autre leader. Et c'est biblique. Les Écritures l'ont prévu. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se nommer un chef. Et le chef qu'ils se sont nommés, c'est pour que le chef fasse ce que lui, il veut. Ce n'est pas un chef qui viendra faire ce que lui, le chef, veut. Parce qu'on va lui donner la commande. Donc, même toi-même, en étant chef de 16 types de personnes, je voudrais te dire que ce ne sera pas facile. Bon, maintenant, tirons donc une petite conclusion. Dans tous les cas, tu seras sous un chef. Et où que tu sois, je voudrais te dire quelque chose. Je dis bien, où que tu sois, soit sous le leader que Dieu t'a donné, soit sous le leader que tu t'es choisi. Dans tout ça, comme ce sont les hommes qui y sont, il y aura des problèmes. Je dis bien, il y aura toujours des problèmes. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y aura toujours des problèmes? Je dis, que ce soit, puisque même quand Dieu dirige, il y a toujours des gens qui sont levés, non? Dieu dirigeait, ça, les gars ont commencé à s'opposer. Samuel voulait s'énerver. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ce n'est pas contre toi que les gars ont dit, c'est moi, ils me refusent qu'on fasse. Donc même si c'est Dieu qui dirige, il y aura toujours des opposants. Donc je voudrais te dire, même si des gens sont sortis en groupe, eux-mêmes, ils auront des problèmes entre eux. Ça là, hein, ça c'est une question de temps, mais ils finiront par avoir des problèmes. Alors, donc ça veut dire que pourquoi il y a des problèmes? Parce que ce sont des hommes. Donc, à l'église, c'est aussi des hommes. Et Dieu est en train de nous travailler. Donc il y a aussi quelques soucis par lesquels on traverse, on ne peut pas le dire. Mais seulement, la question est de savoir, est-ce que tu préfères avoir des problèmes étant debout sur la parole de Dieu ou avoir des problèmes n'étant même plus sur la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que si tu t'es choisi un leader, vous aurez des problèmes, donc tu souffres doublement. D'abord, hein, vous n'êtes plus debout sur la parole de Dieu, vous êtes sous le chef chrétien que vous-même vous avez nommé et vous avez encore des difficultés entre vous. Donc vous tuez hors de la maison de Dieu. Or, quand tu as des difficultés dans la maison de Dieu, tu es au moins sûr que je suis dans la maison. Et étant dans la maison, c'est différent. C'est pour ça que David avait dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Au lieu qu'il me livre entre les mains des païens, je préfère dans la maison de Dieu. Donc c'est pour ça qu'en homme intègre, je préfère mille fois mes problèmes, mais étant dans la maison de Dieu. Là où j'ai été planté, sous le leader que Dieu m'a donné, je sais au moins que je suis là. Au moins là, c'est à cause de l'Éternel. Mais hors de là, donc on est en train de lutter en mousse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toutes ces choses sont les Écritures, ce sont les Écritures qui s'accomplissent. C'est aussi vrai que comme ce sont les Écritures qui s'accomplissent, On ne peut pas décider quelle écriture doit s'accomplir sur moi. Donc, j'imagine Judas, lui-même, les écritures-là devaient s'accomplir sur lui.
Mais vraiment, est-ce qu'il avait choisi d'être Judas? Donc, toi-même, on ne peut pas choisir, on ne peut pas savoir si c'est toi livré ou on ne sait pas. Et si les écritures là doivent s'accomplir par toi, on ne peut, on ne sait pas. C'est que quand ça tombe, c'est moi que c'est ton ami. Ou bien c'est quelqu'un que tu aimais beaucoup. Toi-même, tu restes, tu ne le comprends pas. Mais tu es aimé dans le Seigneur. On a besoin de prier beaucoup les uns pour les autres. Je voudrais que tu gardes ceci. Es-tu dans l'église qui sort de Actes 26, 17 à 18? Ou est-ce que tu es dans un regroupement des personnes qui se sont nommées leur chef? Mais, quel que soit là où tu te trouves, tu auras des problèmes. Ça marche toujours, ce n'est pas une prophétie, c'est que ça marche toujours. Il y a des problèmes partout. Mais seulement, les problèmes là-bas, vous êtes déjà hors du fondement. Donc les problèmes viennent s'ajouter sur le fait que vous soyez même encore hors du fondement. Mais des problèmes là où Dieu t'a planté, avec le leader que Dieu t'a donné, tu jouis au moins de la couverture du Seigneur. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette première partie, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Laisse que Seigneur, nous puissions partager ce repas avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc on reprend à 17h, il est 16h10. Qu'est-ce qu'on fait? Rester en place pour les discussions du repas.